Il y a deux personnages en vous, bien sûr. Il y a l'homme politique et puis l'historien. Alors ici, quel est celui que vous choisissez? Eh bien, l'historien, puisque c'est celui que vous avez invité, je suis un homme bien élevé, je me plie aux règles du jeu. Cela dit, entre créer l'histoire et l'écrire, il n'y a pas telle différence qu'on pense. Alors, puisque vous êtes ici comme historien et comme auteur, si vous me le permettez, nous vous appellerons Edgar Faure et non pas Monsieur le Président, puisque vous C'est êtes un tellement écrivain. plus agréable Voilà. pour moi, parce qu'il n'y a qu'un Edgar Faure, il y a tellement de présidents. Justement. Alors, Edgar Faure, La banqueroute de l'eau, ou l'As, mais on ne s'arrêtera pas à ce détail. Voilà. Cet ouvrage est paru chez Gallimard. Alors, avant d'entrer dans la mécanique de l'ouvrage, voulez-vous nous faire peut-être un portrait de l'homme? Qui était l'eau? J'ai essayé, peut-être présomptueusement, d'établir un rapport entre sa personnalité et son œuvre. J'ai donc été frappé par le fait qu'il était fils d'orfèvre et que, d'autre part, sa famille était devenue une famille de propriétaires terriens anoblis, selon l'usage en Écosse. J'en ai donc déduit qu'il avait été très impressionné par cette double circonstance. Habitué à voir l'or réduit à la situation de matériaux, travaillé par les ouvriers, il n'a pas pour l'or cette sorte de considération d'ordre magique que décrit Foucault. D'autre part, il a remarqué que la fortune permettait d'acquérir la noblesse, mais que cette noblesse était liée à la terre. Par conséquent, il a dès le début été porté à concevoir que l'or était une valeur inférieure au travail, puisque le travail domine l'or, et inférieure à la terre, puisque l'or n'ennoblit pas et que la terre anoblit. À partir de ce point, j'ai essayé de trouver évidemment une sorte de prédestination psychologique à sa principale théorie économique, qui est d'éliminer l'or et l'argent, les métaux précieux, au profit du crédit, qui pourrait être, dans sa première analyse, gagé sur la terre. Ensuite, il a dépassé ce stade. Alors, et pourquoi, au fond, avez-vous aimé, parce qu'on ne fait pas un livre aussi considérable sans aimer un personnage, pourquoi avez-vous aimé l'eau? Je crois, vous savez, Jean-Pierre Moulin, que ça vient après. Enfin, en définitive, quand vous étudiez quelqu'un de très près, il est rare qu'il n'en résulte pas un certain sentiment de sympathie. Peut-être Henri Guillemin me contredirait-il, parce qu'il a montré une certaine hostilité, quelquefois assez dure, envers des personnages passés. Mais c'est aussi qu'il voulait démolir de fausses idoles, assez souvent, n'est-ce pas? Autrement, quand vous fréquentez quelqu'un, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, vous finissez par vous y attacher, parce qu'au fond, à force de le fréquenter, c'est un peu vous-même que vous retrouvez en lui par la longueur de cette fréquentation. Pour en venir au sujet, je n'avais pas beaucoup étudié le personnage de Loulas. Il ne m'était pas tellement sympathique au départ, parce que je pensais qu'il était un peu extravagant, et qu'en somme, il avait fait une banqueroute énorme, qu'il avait fait des folies, et puis en l'étudiant de près, il m'est devenu plus sympathique, principalement sur les deux traits suivants. On considère souvent que c'était une sorte d'équilibriste, de prestidigitateur sans fond. Or, l'étude de ses œuvres, notamment de son écrit de jeunesse, Le commerce et la monnaie, m'a convaincu du fait qu'il était un économiste de valeur, un homme qui raisonnait d'une façon très remarquable pour son temps. En second lieu, ce qui m'a plu en lui, c'est qu'après avoir brassé ce qui ferait aujourd'hui des milliards et des milliards de nouveaux francs, en tout cas des centaines de milliers de milliards de centimes, moi je compte toujours en milliards moins 5 francs, eh bien, il est mort dans une très grande pénurie, ce qui prouve qu'il n'avait pas mis au premier plan de ses préoccupations la précaution d'amasser quelque chose qu'il aurait pu faire très aisément. Alors ces deux traits, sa valeur intellectuelle et son désintéressement personnel, lui ont donné, dans mon esprit, une coloration sympathique. Ensuite, j'ai vu en lui un agent efficace et utile de l'histoire. Parce que dans une certaine mesure, l'eau a échoué, mais par l'échec de l'eau, l'histoire a réussi. De quelle manière alors? En quoi l'histoire a-t-elle accouché de quelque chose de nouveau? À la fin du siècle, je dis le siècle, mais je dois dire le règne de Louis XIV, on peut dire aussi le siècle si l'on veut, dans un sens plus général. 72 ans. Contrairement à ce qu'on pense, le roi Soleil, l'éclat de la littérature, la France était dans une situation catastrophique. Les affaires étaient arrêtées, les gens étaient malheureux, et signe qui ne trompe pas, la France se dépeuplait. Alors, il y a à ce moment-là un stress, un grand brassage, une grande frayerie, le régent, on renverse tout ce que faisait Louis XIV. Louis XIV était un homme très austère et également un peu hypocrite. D'ailleurs, le régent est presque cynique, presque exagéré dans ses débauches. La région est tout à fait intolérante et le libéralisme vient à la mode. Et puis, alors, l'économie repart avec de grands coups, de grands à-coups que fait l'eau, il fait une inflation formidable. Il aurait dû la faire plus modérée, mais peut-être qu'une inflation plus modérée n'aurait pas apporté les mêmes résultats
La circulation repart dans ce corps qui était sclérosé, tout remarche, les salaires augmentent, les paysans produisent davantage parce que les ouvriers demandent davantage à manger, de la viande, à boire du vin. Et finalement, à la suite de cette période, la France se manifeste par deux traits positifs. D'une part, la dépopulation s'arrête et les naissances redeviennent supérieures, on le voit par le registre des baptêmes, c'est parce qu'on enregistre la naissance, supérieures au décès, donc le pays retrouve sa vitalité. Et d'autre part, la France adopte, retrouve ou trouve le même rythme d'expansion que l'Angleterre, sauf qu'elle part de plus bas. Alors ça ne peut pas être la même chose. Mais les courbes sont très intéressantes. La France entre dans l'expansion, elle entre dans la modernité. Henri Guillemin, une question ? Mais nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un personnage double ici. Hein. On a dit tout à l'heure, il y a l'homme politique et il y a l'historien. Oui. L'homme politique me permettra de me tenir à une certaine distance. Mais bien. L'historien, je dois dire, chapeau. Je souhaite un jour avoir l'occasion de la rapprocher. C'est par un double mouvement. L'historien, formidable. Je dois dire hein, que ce que vous avez fait sur la disgrâce de Turgot et ce livre-là, c'est de premier ordre. Pardonnez-moi de dire une chose comme ça, mais je le pense. Il y a je sais que vous n'avez pas l'habitude de dire des choses que vous ne pensez pas. Oui, oui. Vous avez fait un travail colossal, vous apportez des quantités d'inédits, mais la seule question que je voulais vous poser, il y en a bien d'autres, mais il y en a une qui m'intéresse beaucoup. À la page 237 de votre bouquin, vous signalez que la fortune, ou du moins, enfin, en apparence, ce que ça représentait, l'affaire de l'eau, c'était 4 milliards, etc. C'est-à-dire environ 4 fois le revenu national tel qu'on l'évaluait approximativement à l'époque. Je voudrais savoir d'où vous tirez cette information. De vos bancs. Ah, de Vauban. Alors, ça y est, c'est une réponse. Il n'y a pas d'économétrie, alors j'ai pris l'évaluation de Vauban. Ah, voilà, c'est Vauban. Oui, c'est Vauban. Ben, Vauban évalue à 1 milliard à peu près le revenu national. C'est ça. Mais Henri Guillemin, vous ne trouvez pas que Edgar Faure est très sévère à l'égard de Louis XIV ? Non, je suis très content. À l'endroit de Colbert, on dit qu'il est un mercanti borné. Alors, je n'ai pas dit un mercanti, excusez-moi, Catherine Charbon, j'ai dit un mercantiliste. Ce terme se ressemble dans les trois premières syllabes, mais c'est tout à fait différent. Et puis de Louis XIV, sa mégalomanie et son sectarisme religieux. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Enfin, je voulais parler de la lettre à Louis XIV, enfin de Fénelon, qui est si remarquable, enfin, n'est-ce pas ? C'est une chose très... Je ne me rappelle plus la date, 1710, je crois, c'est comme ça. Oui, à peu près. Hein, ben c'est terrifiant, enfin, ce qu'il dit sur l'état de la France. Alors, j'ai très, très, très content que vous ayez marqué à quel point c'était un régime qui a été catastrophique. Alors, vous trouvez que l'homme qui a révoqué l'édit de Nantes et chassé les Français protestants du pays n'était pas sectaire ? Je trouve que c'est un qualificatif plutôt anodin. C'est une litote, c'est comme ça qu'on dit. C'est une litote. Quant à Colbert, en effet, il était borné. C'était un remarquable technicien des finances. Mais c'est un homme qui a professé une théorie économique complètement absurde, qui de son temps était déjà démodée, selon laquelle toute richesse provenait de l'or et de l'argent. Alors que l'eau, ou l'as, écrivant, je dois dire, plus tard, c'est un fait, a dit, mais enfin, l'or et l'argent ne créent rien. Les outils ne créent rien. Ce qui crée, c'est le travail, c'est ça qui crée. Et la terre ne crée rien, c'est l'homme qui la travaille, qui crée, qui ajoute quelque chose. De sorte que Colbert a développé une politique extérieure, commerciale et générale, fondée sur cette théorie mercantiliste, qui était déjà très discutable, que tout le monde n'appréciait pas, son idée était de faire venir des métaux précieux en France par la balance du commerce extérieur. Il ne comprenait pas qu'on ne peut pas indéfiniment être créditeur en matière de commerce extérieur. Que l'idéal n'est pas que la France, et ça c'est valable pour aujourd'hui, marque des soldes excédentaires avec tous les autres pays avec qui elle commerce, en quoi ça crèvera, les gens ne pourront pas le payer. Que donc, il ne faut pas jouer sur la création d'un excédent dans des rapports, mais sur un double mouvement qui augmente les échanges tout en les équilibrant. Et à partir de son analyse vraiment très erronée, il a déclenché une guerre de tarifs avec la Hollande qui a amené une guerre véritable. Résultat, tout le monde y a perdu, et les Français plus que les Hollandais. Alors pour cette raison, je pense que Colbert, dont j'ai essayé de faire la biographie, n'était pas un bon économiste et n'était pas véritablement un grand ministre.